Ah, il y en a plein les premiers. Ah, c'est vrai, le lien, des réserves. C'est comme j'ai calé. Vous avez les archives de la BF de la Reine. Oui. C'est ça, vous avez fait. C'est aujourd'hui une étape bien particulière pour la commission tourisme du pays de l'Orbiquet. C'est aussi une belle aventure humaine qui nous amène ici ce matin. En effet, la commission tourisme a fait le choix en priorité depuis la mise en place de la communauté de communes de protéger et mettre en valeur ce que notre territoire compte de patrimoine naturel accessible à tous, qu'ils soient habitants ou touristes. Dans un premier temps, ce fut un inventaire des traces de faune et flore sur les circuits où un thème ne nous apparaissait pas évident. Puis, au regard des premières découvertes, Christiane a su nous convaincre que tout notre territoire méritait ce minutieux inventaire. Elle a su rendre compte avec enthousiasme de l'avancement de ses travaux et de ses découvertes. Ici, une plante rare, laissée au secret pour la protéger. Là, des particularités dans l'implantation d'une haie de buis. Ailleurs, la richesse du patrimoine bâti traditionnel lié à la vie quotidienne en milieu rural. C'est un inventaire pas à pas, photographié, qu'elle a pu nous remettre et qui a permis de passer à une troisième phase de cette démarche, le choix d'un thème par boucle et donc par commune. Puis la conception et la réalisation des panneaux présentant ce thème à implanter sur nos circuits, avec évidemment toute la partie graphique qui va avec, Bérénice en particulier sur cette partie. Nous avons inauguré cet été la première implantation sur la commune de Familly, déclinée sous le thème « La journée d'une fermière » et progressivement s'installent les panneaux sur Saint-Denis-de-Maillot, le thème étant « Pister le blaireau », La Chapelle Yvon, Dis-moi qui tu es, Meule, des noms et des lieux, Cerner, prédire le temps, Saint-Cyr, pommes et pommiers, Saint-Pierre-de-Maillot, les carnets de Césarine. Et c'est dans cette démarche que s'inscrit aujourd'hui notre rencontre. Et il fut question, dans cette commune de Friardelle, d'un monsieur Brun, paysan naturaliste. Certains se souvenaient de l'homme, d'autres de ses recherches. Christiane s'est plongée avec intérêt et passion dans ses collections au Muséum d'histoire naturelle du Havre et nous rendait compte régulièrement de ses découvertes. Un hommage parce que, par passion et avec une grande rigueur scientifique, il a réalisé une impressionnante photographie du patrimoine naturel de ce territoire. Ici, nous avons des richesses à découvrir, à redécouvrir, à transmettre pour garder notre identité, une identité forte qui fait la richesse cachée de notre territoire. Demandez à la famille de M. Brun d'approcher pour découvrir le panneau. Oui, mettez-vous par là. C'est évident.
D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a pas attendu que je n'en avais trouvé, on m'a dit c'est pas ça que m'a rare, vous avez plus jeune, vous avez jamais vu. Si vous n'en avez jamais eu, vous ne pouvez pas que m'en parler. Si vous avez une occasion d'en avoir, ça m'intéresse pas. Alors ici, rapidement, vous avez...